Salut salut tout le monde, c'est Emily, j'arrive à vous avec une nouvelle vidéo Be Yourself Today, le Beauty de semaine. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai un peu douté de ma personnalité et du fait que je n'entrais pas nécessairement dans un moule. Et en mon cœur, j'ai commencé à me poser la question à savoir est-ce que, c'est normal quoi, puisque depuis petite, aussi souvent que je me souvienne, j'ai toujours été un petit peu à part dans ma manière d'être, dans ma manière de faire. Et je ne comprenais pas et je n'ai pas apprécié en fait ce sentiment que j'avais d'être pratiquement à nouveau dans la cour d'école et de me sentir à part. Donc j'ai prié en mon cœur et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai ce sentiment d'être pas comme tout le monde? Je comprends pas, c'est pas agréable, je n'apprécie pas ça quoi. Et pratiquement tout de suite après, j'ai eu cette réponse en mon cœur qui me disait justement, mais je ne t'ai pas créé pour que tu ressembles à tout le monde. Je ne t'ai pas créé pour que tu puisses être une copie ou un duplicata de quelqu'un d'autre. Je t'ai créé pour que tu sois toi avec tes caractéristiques, avec ton caractère, avec ta personnalité, avec tout ce qui fait que tu es toi. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire et je sais pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça. Donc à partir du moment où tu vas accepter véritablement toutes ces choses et que tu ne seras pas en train de te poser des questions par rapport aux autres, là tu vas commencer à être véritablement heureuse. Et le pire c'est que quand j'ai eu cette réponse, ce sont des choses que je savais déjà quoi. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de savoir quelque chose, de l'avoir compris, mais que vous entrez encore plus dans une réalité où vous réalisez, vous faites waouh, ok d'accord, c'est à ce point là quoi. Même dans notre personnalité, dans notre être, il faut qu'on apprenne à embrasser cette singularité. Et donc pour le but de semaine d'aujourd'hui, ben, j'ai eu envie de partager ça avec vous. Donc appréciez qui vous êtes. C'est un parcours, hein, ça se fait avec le temps. Jusqu'à présent, il y a des fois où ben, c'est pas trop ça. Mais je voulais partager ça avec vous justement pour que on puisse aller plus loin dans cette direction. Bien entendu, c'est une vidéo que je vous invite à partager avec la plupart des personnes que vous connaissez, si ce n'est toutes les personnes que vous connaissez. Passez le lien à une copine, à un copain. Franchement, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donnez vos avis, vos commentaires. Qu'est-ce qui fait que vous appréciez votre singularité? Et n'hésitez pas à mettre tout ça dans la petite barre en bas pour les commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous de gros gros bossy-bosses, Jaconette. Et un cas d'isote, à donc plus tard. Bye bye.